Attention, émission diffusée en couleur, 16 neuvième stéréo et boulet time, procédé exclusif. Jus de pomme. Tu n'aurais pas plutôt un scotch? Non. Dans les émissions pour la jeunesse, on n'a pas le droit de montrer de l'alcool, tu sais. Ni ses fesses, d'ailleurs. Alors va pour un jus de pomme. Et s'il te plaît, Marcus, mets un pantalon. Tu sais, Mathias, si je t'ai demandé de venir aujourd'hui, c'est que j'ai une révélation à te faire. Non! Non, ce n'est pas possible! C'est pas vrai! Et pourtant si, il va falloir être courageux. C'est... Parfois la vie nous réserve des surprises. Non, c'est impossible! Je ne t'ai encore rien dit. Tu te souviens quand on travaillait tous les deux dans ce petit hôpital de fortune au fin fond de l'Alaska? Bon, allez, un peu de sérieux. Comment s'appelle le patient? Greg Reynard. Le Reynard, les manteaux des fous rires. Le manteau des lacérations. Monsieur Reynard, qu'est-ce que vous avez fait? Il a des structures de lacération présentes sur le thorax. Bah oui, on se bat avec un ours. Hein. Voilà ce qui arrive. Et il faut lui refaire l'avant-bras. Il faut tout refaire. On va pas le laisser comme ça. Alors c'est parti. Je passe un peu la conférence. Oui. Hein. Finalement, on s'en fout. Mais on nous explique quoi là en fait? On t'explique à chaque fois le patient, ce qui lui arrivait. Et tu peux choisir, parce qu'on peut jouer à deux maintenant, vous avez remarqué, dans Trauma Center. C'est bien. Docteur Marcus, mais Marcus Vaughn, ça n'a rien à voir avec moi, ou la doctoresse Valérie Blaylock. Comment tu l'appelles? Blaylock. C'est pas un nom français. On prend Marcus par fierté. Non, je pense pas, je sais pas d'où il vient. Il y a toujours des petites histoires de cœur, on dirait une série télé, New Blood à chaque fois, les Trauma Center. Donc on a eu Trauma Center sur Nintendo DS, Trauma Center Seconde Opinion, sur Wii. Un deuxième avis, sur Wii. Et là, c'est Trauma Center New Blood. Et on peut jouer à deux. J'ai mon infirmière avec moi. Et on peut parler pendant que... Parce que lui, il est dans les vapes. Oui, c'est vrai. Il n'entendra pas. Alors, ça fonctionne exactement comme l'épisode précédent, sauf que on est deux. Donc là, par exemple, moi, je suis à l'écran de gauche. C'est moi qui vais choisir de prendre une seringue. Ah bah, c'est Mathias qui le fait avant moi. Voilà, bah, t'as qu'à bosser pour l'instant là. Regarde ça. Voilà. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on peut se partager les tâches ou décider de faire la même chose en même temps. Alors, moi, j'ai choisi les instruments avec la Wiimote. Oui. Ça, c'est bien, ça. Parce qu'on désigne, avec le nunchuk, vous choisissez, il y a un petit rond en bas, là, vous voyez, et on choisit l'instrument qu'on veut. Là, si je pousse en haut à droite, je vais avoir la seringue. Si je pousse juste à droite, je vais avoir de quoi recoudre le gars. Là, pour le moment, il va falloir recoudre. Donc, c'est parti. D'accord. Moi, je vais lui remettre un petit coup de milieu, d'adrénaline. Voilà. Voilà, ça c'est fait. Et alors, je suture avec toi. Ah, vas-y, suture avec moi. Ah, je suture. Alors, les petites plaies, il n'y a pas besoin de suturer. Normalement, un peu de gel suffit. Je vais m'en occuper du bras. Voilà. Moi, ma grand-mère, elle en avait du gel comme ça. Quand t'avais un bobo, elle disait, tiens, prends un peu de gel. Vrai. Et ça allait mieux. Et ça puait d'ailleurs. J'ai eu ça aussi. Et pourtant, on n'avait pas la même grand-mère, c'est fou. Alors écoute, je mets un coup de gel. Voilà. Alors il faut. Et je te laisse faire le scalpel. Je me sens pas. Je suis pas très rassuré. Voilà, c'est raté. Attends, laisse-moi faire alors si c'est raté. Oh là là, oh là, mais qu'est-ce qui t'arrive? Je tremble. Ah, il faut pas trembler. Il faut le geste sûr. C'est le scotch. T'en avais dit. Ah, bah c'est raté aussi. C'est le scotch, c'est peut-être ça. On boit un peu trop. Un chirurgien n'est pas censé boire. Voilà. On est en train de charcuter ce pauvre homme. Ah, voilà, ça y est. Excusez-nous. Il fait froid en Alaska, alors on picole un peu, forcément. Alors, qu'est-ce. Oh là là, dis donc ce bordel. Alors, toi, t'es le point jaune, c'est ça? On dirait un puzzle. Alors, je suis le point jaune. Et le docteur Mathias sera le point violet. Et on va se relayer. Donc, la première étape, récupérer. Aïe aïe aïe, récupérer les trucs qu'il a dans le bras, voilà, et les extraire dans le sens de la plaie, regardez bien. Si jamais je fais dans le mauvais sens, il souffre. En haut à gauche, c'est ses points de vie, d'ailleurs il va pas bien fort. Là, si je peux. Notre ami le Reynard. Ah oui, alors attends, moi pendant ce temps, je vais le. Donc voilà, infirmière Mathias, si vous voulez bien pendant ce temps-là, pendant que j'extrais les. Oui, je vais lui mettre un peu de. Voilà, un peu de trucs pour le rebooster, ça va lui redonner les points de vie, regardez, il y a les points de vie qui remontent en haut à gauche, 35.
40, 50, voilà, il est en pleine forme. Si je peux me permettre juste cette histoire de quand on doit mettre des choses dans la petite assiette là. Oui. C'est pas très pratique. C'est pas très pratique. Je suis d'accord. Oui, c'est vrai. Même si t'as bien retiré l'os, si tu rates le truc, l'os. Il le remet dedans. Oui, ça c'est vrai. Et ça c'est vrai. Formidable. Nous allons peut-être en faire la démonstration. Alors là, faut lui remettre l'os en place déjà. Oui. Est-ce que tu veux le faire? Oui. Alors bien dans l'angle, bien dans l'axe là, s'il te plaît. Ah, regardez, hop. Voilà. Si tu lâches trop tôt, ça marche pas. Je recommence. Et des fois, ça marche pas, on comprend pas bien pourquoi. Ça, c'était un des défauts du premier épisode. C'était un peu corrigé dans cet épisode là quand même. Alors maintenant, on va chacun prendre des petits bouts. Voilà, regardez, on opère tous les deux, c'est assez sympa. Et on va les remettre. Alors par contre, je sais pas où ça va ça. Voilà, ça va là. Ah, ça va. Alors si jamais vous vous trompez d'endroit. On remet les os dans le petit panier, c'est absolument horrible le gars. On lui met des os, on lui enlève, on lui remet. Bah fallait pas se battre avec un grizzly aussi hein. Mais qu'est-ce qu'il se passe? Espèce de gros malin. Un truc assez rigolo c'est que regardez, on peut prendre un os main et tourner la poignée de la Wiimote pour orienter l'ossement en question. Je vais essayer de le faire. Ah bah il m'a pris. T'as mangé dans mon assiette, tu m'as pris mon truc. Regardez là je tourne la Wiimote et vous voyez que mon os tourne sur lui-même. Vous voyez, mais ça se trouve, c'est pas le bon angle. Voilà. Je pense que le bon angle, ça va être ça. Pendant ce temps, donc, moi, je remets un petit peu si de. Tu peux rebooster. Je tremblote aussi, dis donc, c'est l'émotion fou, hein. Quand on joue tout seul, on est plus rassuré. Allons-y en fait. Là. Et voilà, une très belle opération. On va refermer, docteur. Refermons, docteur Marcus. Moi, j'ai bien beaucoup aimé le premier épisode. Là, vraiment, il n'y a rien de nouveau, si ce n'est le fait de jouer à deux, mais c'est super. Ah ouais, mais ça change tout. Ah ouais. Dis donc, t'es en train de signer ton nom avec le. Ça me rappelle un ami qui était habillé tout de noir. Un gothique? Dark Vador? Un espagnol, il me semble. Mais faut vous dire que parfois, même moi, je ne comprends pas les blagues de Mathias. Là, mais par exemple, je ne comprends pas. C'est Don Diego de la Vega qui est comme ça. Bon oui, sens. Excuse-moi. Mais donc, le petit pansement. Ah oui, je vais faire le pansement. Alors, regarde, je le prends à gauche. Je pars bien du bas de la plaie et je déroule jusqu'en haut. Voilà. Un petit peu de gel antibiotique, non même pas. Mais on est bien encouragé par les petits commentaires. C'est vrai que ça aide. Ça aide. Eh bien voilà, beau travail docteur. Félicitations. Encore une opération réussie. Ah, sale blessure. Je crois que dans toute ma carrière, je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi moche. Tu oublies la liposuction de Madame Sarfati? Oui, c'est vrai. On ne fait pas un métier facile. Surtout quand il faut opérer dans l'urgence avec les moyens du bord. Tu as raison, pour Madame Sarfati, je me souviens que j'avais eu un mal fou à connecter la bonbonne d'eau à ce vieil aspirateur. Mais je ne parle pas de ça, tu te souviens quand le toit de la chapelle s'était écroulé sur cette bonne sœur et qu'on a dû intervenir directement, sur place? Comment s'appelait-elle, déjà? Sœur Catherine, je crois. Sœur Catherine... Oh, fait pas chaud. Ouh là là. On me téléphone, c'est l'hôpital. Qu'est-ce qui se passe? Ah non, pardon. Allô? Docteur, c'est moi, Bibi. Oui. Oui, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est moi, Bibi. Ah, c'est le docteur Mathias. Oui, Marcus. Oui. Un accident sur le chantier. Bon sang. Un accident sur le chantier. Alors, oui. Bon sang. Parce que ça fait téléphone portable, là, oui, moi aussi. Faut pas l'oublier. J'arrive. On arrive. Alors là, vous avez vu la carte, on va opérer sur place, non pas à l'hôpital. Regardez, c'est machin qui nous emmène, le petit gros là, je sais plus comment il s'appelle. Allez, hélicoptère. Et cette fois, on joue le rôle de Valérie, et non pas Marcus. Qui a une coupe de cheveux assez... D'enfant, ça s'appelle. Ah, regarde, c'est ça, c'est la bonne sœur qui est sous les décombres de la chapelle. Il était en train de reconstruire. Je me souviens, on a fait des choses avec cette bonne sœur. Oui. Mais cette fois, on va l'extraire des décombres. Voilà. Peut-être qu'on va être obligé de l'opérer sur place. Les doigts gelés, tout ça dans la neige, ça va pas être facile. Regardez, voilà la carte. On va partir de l'hôpital et on va sur les lieux de l'accident, mesdames, messieurs, en direct. C'est parti. Oh, qu'est-ce qui se passe? Mon Dieu. C'est Sœur Catherine. Catherine. Oui, docteur Mathias, docteur Marcus. Alors, est-ce que vous... Ma poitrine, je ne peux pas... il n'y a pas le droit d'avoir une poitrine, peut-être, comme les bonnes sœurs. C'est interdit. Dominique... Non, mais non, on ne chante pas. On ne chante pas. Mais oui, c'est la charpente de la bonne sœur. Non, c'est la charpente du toit qui est tombée sur elle. Il va falloir la sortir de là, comme ça. Il y en avait un qui... Les poutres étaient trop lourdes. Ah, voilà. Bon, alors, hop, je passe les dialogues parce que moi, il faut que j'aille opérer tout de suite. Ah oui, ça, c'est quand même, il faut le dire, dans celui-là, c'est comme les autres. Hein. Ça parle. Ça parle énormément, mais en même temps, ça raconte des petites histoires. Ça fait comme une vraie série télé, ce qui est assez sympa, avec des petites histoires de cœur, des drames atroces et tout ça.
Ah, regarde, elle a de la poitrine, sœur Catherine Jackson, finalement. Est-ce qu'il y a un rapport peut-être avec... Je ne crois pas qu'il ait une sœur qui s'appelle Catherine. Latoya, elle est pas en Alaska, oui. ce serait bien d'ailleurs qu'il fasse dans le prochain New Blood un truc de chirurgie esthétique. On ferait Michael Jackson, ce serait le boss de fin de niveau. Il y a tout à refaire, quoi. Je trouve que ce serait super. Dans un caisson oxygène. Tu commences tranquille, voilà, avec Ariel Dombal, et puis hop, après, Michael. C'est parti. Bon, alors. Allez, on y va. Allez, trêve de plaisanterie. En tout cas, on en redemande des épisodes de Trauma Center, nous, parce qu'on aime bien. Alors, qu'est-ce qui... Moi non plus. La chirurgie thoracique, je sais même pas ce que c'est. Bon, elle part quand même. Bah, du thorax, mon ami. Ce qui est bien, c'est qu'on nous explique tout. On est dans les premiers niveaux, là, donc on nous explique tout. Après, on est livré à soi-même, par moment. Il faut aspirer, là, je crois. Ah oui, drainer, j'adore drainer. Je peux drainer. Vas-y. Alors, regardez. On peut drainer à deux, c'est voilà. Voilà. Ça draine encore plus. Allez, et un petit coup de gel antibiotique. Allez, le scalpel, on n'est pas bien doué en scalpel. Oh, mince. Non, mais... Mais qu'est-ce qui se passe? On tremble, en fait. Voilà, ouais. Faut l'ouvrir en deux, la briseur. C'est comme ça que ça se passe. Oh là là, allez, c'est ça draine, prépare-toi. Une hémorragie, je draine. Attention. On draine à deux. On draine à deux. J'étais... C'est pas facile, n'empêche. Écoute, t'as qu'à drainer, je vais recoudre, pense. Oh là là, non, il faut vite qu'on mette de la... Eh oui. Qu'est-ce qui s'est passé? On n'a pas mis de l'adrénaline pour le... Ah mince, on a oublié de rebooster la bonne sœur. On est en train de la perdre. On peut pas continuer comme ça. Ah, c'est pas facile. Ça, c'est assez dramatique. Ouais. L'ombre de cet échec devait hanter les deux chirurgiens à tout jamais. Eh oui. Eh oui, c'est dur. Non, mais j'aime bien, moi, ce côté un peu... Dramatique. C'est chouette. Bon, allez, on repart direct dans l'opération. Cette fois, plus attentif. Alors, on n'a qu'à se répartir les charges. Oui, moi, je fais rien et toi, tu fais tout. D'accord. Ça me va bien. Draine pendant que je vais lui remettre un petit coup de... Je draine, oui. Alors, remets-lui de l'adrénaline. Voilà. Un petit coup de gel antibiotique, moi, pendant ce temps-là. Un petit coup de scalpel. Et parce que c'est à deux, c'est à ça que ça sert. Bah oui, c'est ça qui est bien. Voilà. Il y en a un qui peut surveiller, par exemple, les signes vitaux. Les signes vitaux, exactement. Comme Vito Corleone. On le parle. Hein. Et pendant ce temps-là, l'autre... Alors... Bon, bah moi, je vais remettre un petit coup de... Oui, je te charge de la santé de mon petit patient. Tu fais n'importe quoi en même temps. Ah, voilà, regardez. Ouh, ça allait mal. Heureusement que Mathias est intervenu. Voilà. Docteur Mathias, merci. Et alors, il y a un truc qu'il faut expliquer peut-être aux gens qui est un peu bizarre. Oui. Sur cet épisode, c'est que on peut jouer seul ou à deux, donc. Oui, c'est vrai. Mais c'est la même chose qu'on joue seul. Le niveau de difficulté est le même, voilà. Seul ou à deux. Alors qu'à deux, tu vas normalement. Bah, beaucoup plus vite. C'est un mauvais exemple, mais deux fois plus vite. Ouais, c'est vrai. Alors attends, je m'occupe. Mais super, c'est parfait. Parfait, nous dit-on, ça m'étonnerait. Bien, je te fais celui-là. Bah, ouais. Surveille quand même du coin de l'œil. Moi, je m'occupe pas du tout de ces, ces trucs vitaux. Hein. Vas-y, moi je draine. Vas-y, occupe temps maintenant. Voilà, super tour cousu là. Ah, bah, nous vous remercie à la bonne sœur là quand même. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Le péricarde. Non, qu'est-ce que quoi? Vite, ah, vite. Je remets, rebooste là. Oui. Rebooste mes mères. Moi je vais regarder. Regarde avec le scanner, on voit mieux là. Découvrez-moi, partie d'une incision avec le scalpel. Alors là, effectivement, voilà, je fais une incision, je draine direct. Et je vais recoudre dans la foulée. Je compte sur toi pour regarder. Ouais, t'inquiète pas. Tu es le gars chargé du... Des signes vitaux. Voilà. Corleone, on l'a déjà fait. Vache. Arrête un peu. Oui, on l'a déjà fait. Les gens, ça les fatigue. Non, mais ça, je les comprends en même temps. Alors, attends. Ah, bah voilà. Ah, c'est raté. Ah, faut aller assez vite, en fait. Voilà. En fait, faut être très concentré, nous, on papote attends, en même temps. Je draine, vas-y. Vous imaginez des chirurgiens qui racontent leur vie pendant qu'ils opèrent. Si, ça marche, ça se fait comme ça. Hein. Ça se fait? Ouais. Ah, tu crois? Tiens, hier soir, j'étais au Pampan cul, j'ai croisé... Je me demandais pourquoi ma cicatrice d'appendicite arrivait jusque-là, depuis que j'ai 12 ans. Oh non, c'est reparti, vite, ma sœur. Si je n'arrive pas à la sauver, je ne suis pas digne d'être médecin. Oh là 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 là. Parce qu'il a des super pouvoirs, le médecin du jeu. Regardez, on a ralenti le temps en dessinant un pentacle. Ça, c'est ils appellent ça la main qui guérit, la main guérisseuse, je ne sais plus. La main guérisseuse, ouais. Il y a un nom comme ça. Oui, c'est ça. C'est la main guérisseuse, c'est ça? Ouh là là. The Healing Touch en anglais, je ne sais pas comment c'est en français. Vous remarquerez que le jeu est en français, hein. Les voix sont en anglais, mais par contre tout est toujours... Ah, il faut la rebooster. Mais non, ça marche pas, parce qu'on est en main curatrice. Oh la vache, bon alors vite. Donc là, à mon avis, on va perdre, là, mais... Non, on a... Moi, je draine et toi, tu couds. D'accord, faisons ça. Voilà.
Et oui, parce qu'il lui reste plus qu'un point de vie, donc heureusement qu'on a... Je suis en train de la saucissonner, cette bien, bonne sœur. En haut à gauche. Oh là, on me dit parfait, mais elle va avoir une cicatrice, ça va être pire que mon appendicite. Vas-y, vas-y, encore, encore. C'est marrant, quand je joue... je sais pas pourquoi, mais quand j'ai joué tout ça, j'étais beaucoup plus précis. Attention. Des horreurs comme ça. Attention. Attention quoi? Ne sois pas désobligeant. Oui, c'est vrai. Avec ton ami. Non, non, mais je dis pas que c'est de ta faute. Au contraire, heureusement que t'es là, sinon je crois que je m'en sortirais pas. J'ai bien fait d'opérer avec toi. Qu'est-ce qui s'est... Ah non. Allez, on referme. Moi, je suis habitué à rouler, j'y vais. Oh, ah oui, tu dis donc que tu fais ça bien. Attends, non, concentré. Un petit geste, souple et précis. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Bien joué, docteur. Bien joué, docteur. Je te laisse mettre le pansement. Attends, je fais le gel. Voilà. Il est où le pansement? Comme... Moi, je voilà, peux pas le mettre. Pansement. Mets-le. Il faut la pince comment... Non, non, juste comme ça. Voilà. Tu l'appliques, voilà. Et le petit gel dessus, là, non? Oh, eh ben... Il faut un petit gel antibiotique non, dessus. Non, je crois qu'elle est finie. On va nous dire si notre opération est réussie. Oui, le patient est sauvé. C'était une patiente. C'était une patiente. Et heureusement qu'elle était patiente avec nous. Des bonnes blagues. Toujours. Toujours. Heureusement, cette fois-là aussi, on s'en est sorti grâce à l'aide de Dieu. Mais je t'en prie, assieds-toi. Non, merci. Les engelures. Pourtant, les engelures, tu peux les remercier. C'est grâce à elles si un peu plus tard, on a été muté à Los Angeles. Oui, en effet. Là-bas, le climat était bien différent. Le problème, c'était plutôt les coups de soleil. Tu te souviens de ce type qui avait la peau complètement brûlée? Une combustion spontanée, je crois bien. Ah mon dieu, oh, mon dieu. Alors lui, il arrive en feu aux urgences. Carrément, voilà, c'est comme ça. Il ferait ça en France, il serait bien reçu, tiens. Vous avez votre carte vitale? Je crois que c'est... En fait, c'est une poussée d'hormones. Celui qui a vu une jeune fille, il a eu comme le... C'est oui, le coup de foudre. Hein, le en coup quelque de foudre, sorte. Voilà. Ça, c'est vite. Qu'est-ce qu'il dit? Ah, l'aide ah oui, Marcus, s'il m'appelle par mon nom, moi, je suis obligé d'y aller. Marcus, nous devons l'aider. Non. Sois prudent, Marcus. Oui, Marcus avec un K. Parce que c'est pas moi, c'est le médecin du jeu, en fait, d'accord? Bon, allez. Allez. Oh non, mais faut y aller, là. Mais oui, il est tout brûlé. Qu'est-ce que c'est qu'il a? Il a un manteau avec des plumes. Allez, hop. Sur la table d'opération, mon gars. Je sens que ça va être dégueu. Ça, quand même, les grands brûlés, c'est quand même quelque chose. Il s'appelle Luc Rousseau, c'est un Français. Voilà, les Français vont non, se mettre que, dans... Non, parce que Rousseau, c'est peut-être canadien. C'est canadien, on va dire que c'est canadien. De graves brûlures de la partie supérieure gauche du corps du patient doivent être traitées immédiatement. Immédiatement. Alors là, c'est typiquement le genre d'opération qui nécessite de la concertation. Il va vraiment falloir se répartir les tâches. Ouais, exactement. Ouais. Tiens, prenons Valérie pour changer. Ah oui, et je serai Marcus. Ce sera Marcus. C'est parti. J'aime bien, ils ont des bonnes têtes, ils sont beaux. Ils sont beaux, ils sont jeunes. Et s'ils gagnent de l'argent, ils sont médecins. Ah oui. Comme nous. Oh là là, oh, c'est vilain ça. Ouh là là. Oh, c'est vilain, on dirait une pizza 4 jambons là. Il y en a partout. Moi, je pense... Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, d'abord injecter du truc jaune. Oui, alors moi, pendant oui, ce temps, rebooste-le. Moi, je vais lui injecter du truc jaune. Voilà, on va faire ça. Je m'occupe du truc jaune dans la plaie, direct. Là, t'as raté, hein. Dis dans le. Oh la mince, pourquoi j'y arrive pas? Parce qu'il faut peut-être drainer le sang, malgré ce qu'elle a pu raconter. Ah oui, d'accord, ok. Alors, j'injecte, hein, une fois que c'est nettoyé. Voilà, une fois que c'est nettoyé, voilà, c'est injecte. Toujours raté, je sais pas pourquoi. Injecte dans le. Dans le noirci. Alors, attends. Hein, dans le noirci. Quelque chose ne va pas, docteur. Oui, je sais. Il faut mettre le. Ça y est, il faut mettre. Ah le mais oui, on est bête. À côté pour faire de la peau. Ah oui, c'est vrai. En fait, voilà, d'accord. Ça y est, j'ai compris. Fais-en de la peau. Oui, en fait, il faut injecter ce liquide jaune dans les petits carrés pour créer des peaux, des morceaux de peau qu'on va greffer. C'est-à-dire, on va aller chercher dans le patient un endroit de son corps de la peau qu'on pourra greffer. Typiquement, ses fesses. On lui prend de la peau des fesses pour aller lui remettre sur le visage. C'est le cas de Michael Jackson, de Sheila aussi. Sheila, il fait comme ça, hein, ça avec Nick en même temps. Elle avait déjà les fesses prickées, ils ont tourné devant. Et d'où l'expression la peau du cul. Ça voilà, exactement. Cul. Alors, ça y est, je peux y aller? Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Allez. En voilà. En voilà deux. Et oui, parce qu'on a un temps limite. Et oui, il ne faut pas que notre patient il passe. Parce qu'il est patient, mais sa patience a des limites. Justement. Voilà, j'ai un peu gâché de la peau. Non, ça ne sert à rien très bien, ce que j'ai très fait. Bien. Vas-y. Mais il faut vite que je prépare d'autres petits greffons et j'en ai plus de près. Si tu peux les découper, peut-être, on gagnerait un peu de temps. Mais... Voilà, moi, là, attention, ça c'est du travail d'équipe. Voilà.
Mathias les découpe et je vais les choper tout de suite pour les mettre. Voilà, il a même pas fini de les découper et je mets un peu de gel. Oh, elle est pas mal. Oui, mais là, il en reste deux là. Non, c'est fait ça, on les a fait ces deux-là. Non, ils sont gardés des cicatrices. Ils sont vilains, moi je dis. On verra, moi je pense qu'on les a fait. Je pense que vous dites n'importe quoi, docteur. Écoutez, je vous traînerai devant le conseil de l'ordre. Bon, voilà, c'est prêt. Qu'est-ce que tu voulais faire? Vous voulez drainer? Je voulais suturer. Non, je plaisante. J'ai du mal à choisir des fois. Ah oui, c'est vrai. Et voilà, on est pas mal là. Donc tu vois, il en manque trois. Nous sommes à la moitié, ne baissez pas les bras. Tu veux dire qu'on n'a pas fait ça encore? Mais bien sûr. Oh là là. Alors, je prépare encore de la peau, moi. Moi, je suis préparateur en peau. Oh, tu me piques mon dieu. T'es quand même un peu gonflé. C'est très mal organisé, les hôpitaux. C'est comme dans la vraie vie, vous voyez, c'est très réaliste. Non, mais il faudrait... Il manque d'effectifs. C'est que nous, il faudrait qu'on parle plus entre nous. Oui, c'est vrai. Notez qu'on a doublé les effectifs depuis le dernier épisode de Trauma Center, on est deux fois plus nombreux. Donc deux fois dans plus nos hôpitaux de chez nous, hein, allez, où il manque cruellement de gens. Mais il me semble qu'il fallait quand même l'enlever, cette vilaine peau. Là. Tu crois? Voilà. Non, regarde, c'est fait. C'est pas un coup de gel ou quelque chose à faire? Non, je crois pas. Peut-être au laser? Non, ça me fait peur. Au scalpel, on va essayer de couper ça. Il y a quelque chose qu'on a oublié, non? Ah, c'est ça, c'est bien au scalpel, tu vois. Non! Mais si. Ah. Bon, on l'a tué. On l'a tué. Et voilà, voilà. Le la la la. Bon, et ben voilà. Une bonne assurance. Bon avocat. Si nous partions à la plage, voilà. Nous détendre un petit peu. Oublions cette histoire. Oublions, d'accord? De toute façon. Plus jamais on en reparle, plus jamais. C'était un con, de toute façon. Ouais, voilà, on s'en fout. Depuis, je ne peux plus déjeuner dans un restaurant de barbecue coréen sans repenser à cet homme. Moi non plus. Et j'ai complètement arrêté la fondue bourguignonne aussi. Ah ça oui, le métier de chirurgien n'est pas toujours facile, mais il a aussi ses bons côtés. Car parfois, au bout du scalpel, il y a aussi la vie, l'espoir et le sourire d'un enfant. Comme la fois où on a dû implanter en urgence un pacemaker à cette fillette. Comment s'appelait-elle ? La petite Chloé, tu t'en souviens? Ah oui, je m'en souviens. C'était avant mon opération. Oh, la petite Chloé! Vous êtes sûr que ça va pas me faire mal? Mais bien sûr que ça va te faire mal, on va pas te mentir. C'est nous qui opérons. Mais oui! Bon, j'espère qu'elle a une bonne assurance, la petite, parce que ça risque de mal se passer pour elle. Et moi, je suis un petit peu à cran. C'est vrai, t'étais... Oui. Je suis un petit peu à cran parce que je sais que bientôt je vais y passer. Aussi. C'est vrai, Mathilde a prévu son opération pour bientôt. Oui. Et t'as déjà trouvé un autre nom pour après? Gérard. Mathilde. Mathias. Ce serait joli, Mathias, comme prénom. Ah oui. Hein? Tu pourrais original, changer. C'est pas mal. Chacun est libre hein, de faire tout ce qu'il veut dans la vie. Alors l'opération ne sera pas dans le prochain Trauma Center. Non, ce genre d'opération. Pas. Ni la chirurgie esthétique, ni des changements de sexe. On ne sait pas faire ça encore dans les jeux vidéo. C'est dommage. Avec l'évolution des mœurs. Je pense. Le jeu vidéo est destiné à tous. Donc voilà, tous âges, tout sexe, confondu, mélangé, tout ça. C'est dégueulasse. Mais voilà, c'est fait pour tout le monde. Allez, on passe les commentaires. La petite Chloé a besoin de nous, on va lui implanter un pacemaker. Ah, il y a un junkie qui vient à l'hôpital chercher de la drogue, regardez. Il se passe plein de trucs. Tu fais bien le jeune, salut. Oh, on va se droguer, c'est chouette. Ouais, c'est super. C'est un peu ça, les jeunes d'aujourd'hui. Mais enfin, oui. De mon temps. Alors, Chloé, la petite Chloé Nichols. On remplace, le truc est vieux. On lui a mis une occase et puis là, on se dit bon. Ben, c'est le Delco. C'est le Delco. On va tout changer. Combien ça sert à rien de réparer. Voilà, on elle a tout. Combien sur le bas de caisse? Je sais pas. Il faut vérifier la pression des pneus avant de repartir. Il faut bien huiler tout ça. Ouais. Allez, Chloé, au boulot. Chloé Nichols. Non mais nous on rigole, mais c'est quand même émouvant, vous voyez, on soigne la petite fille, on soigne la petite infirmière aussi de temps en temps. Voilà, il y a des personnages auxquels on s'attache, on n'a pas envie qu'il leur arrive des sales trucs. Non. Donc normalement on est concentré et on bosse. À fond. Allez. C'est allez un Mathilde, travail d'équipe. Au boulot. Rappelons-le. C'est parti. Allez, je rappelle que je suis le petit point jaune. Et moi le petit point. Violet. T'es mon petit point violet. Mais oui. Ah, en quelque sorte. Alors, il faut d'abord un petit coup de gel d'abord. Ouais, il faut bien désinfecter. Voilà, et là, vas-y, découpe. C'est pas mal. Allez, je vais faire la petite clé. Moi, j'aime bien de haut en bas. Ouais, vas-y. T'as vu? Un geste parfait. Sûr comme ça, d'un coup. Voilà. Tu me rappelles Stallone dans Rambo, hein. Avec son couteau de pareil. Oui, c'est vrai, il s'opérait lui-même. Bah voilà. Aïe, faites attention, docteur. On lit pas en même temps. On va faire des bêtises. C'est vrai.
Alors là, il faut, je sais qu'il faut inciser pour découper ces petits fils. Hein. Je vais m'occuper du truc. Ah, il a fait un arrêt cardiaque. Oh là là, vite. Le massage cardiaque. Alors, on frotte les mains. Non, alors. On frotte la Wiimote. D. Tu veux que je fasse? Hop. Non, non. Voilà. Il faut pincer au bon moment. Je te laisse faire et je commente. Voilà. Il faut non, mais pincer moi, ça marche pas quand je le fais. C'est joueur, hein. Il y a marqué J, hein, voyez-vous. C'est moi, J. 5, 4, docteur Marcus, me mets pas la pression. Les signes vitaux tombent et moi je peux rien faire là. Alerte vitale. Alerte vitale. Mais j'arrive pas à amasser le cœur de cette pauvre petite Chloé. Elle va crever. Bon. C'est une catastrophe. Une catastrophe. Mais j'y arrivais avant. Ah, ça correct. Y est. Oh non, elle est morte. On recommence. Oui, oh, ça va, du long. Ah si, alors, en fait, ils meurent jamais, les patients. C'est ça qui est bien. Il y a toujours un qui arrive. Bon, allez, pousse-toi, je vais le faire. Alors, pourquoi on est venu nous chercher, nous, tu sais vois pas. S'il y avait alors quelqu'un de plus compétent. Des meilleurs. Voilà. Bon. Alors, comment ça se fait que j'étais pas bien? Le massage cardiaque, c'est ça, on pince les deux, comme oui, si on attrapait le corps. Allez, bon, allez, c'est reparti. T'as vu qu'on est synchro? C'est reparti. Allez, tac, tac. C'est parti. Alors hop, allez, de haut en bas, tu le fais bien. Attention. C'est parti. Voilà, voilà, c'est raté. C'est raté. Je vais le faire, je vais le faire. Voilà. Oh, je vais me rattraper pour, pour mes bêtises de tout à l'heure. Alors, je crois qu'on peut passer avec moins. Sur la Wiimote, ça passe les dialogues. Ah oui, c'est vrai, c'est pas mal. Parce que les dialogues sont assez longs et assez pénibles, bien souvent. Alors, c'est parti. Alors, pas de défibrillateur, sinon, on frotte les manettes et hop. Eh oui, mais là, c'est un petit cœur, donc... Ah, c'est vrai, il est fragile, on peut pas utiliser le défibrillateur. Donc, A et B en même temps, c'est parti. Tac. Attends. Voilà. Voilà. À mon tour. À chacun notre tour, on va lui faire son petit massage cardiaque. J1. Ah, c'est moi, pardon. Wow. Ok. Donc ça c'est rigolo parce que pour masser, faut pincer comme ça, donc on a vraiment l'impression de tenir un organe dans ses mains. Bon voilà, le cœur est reparti. Le cœur est reparti, on vérifie. Ah, oui, oui. Oui, ça y est, tout va bien. Ah voilà, alors c'est là qu'il faut couper. Le gel antibiotique. Alors attends, cette petite branche là, voilà. Voilà. Et non, je vais aspirer. Voilà, parce que sinon, aspire tu ne peux et moi pas couper. Avec le fil, oui, oui, avec la pince. Alors là c'est pareil, regardez, je pince avec le bouton A. Et voilà. Le bouton B. Attends, voilà. Attends, attends. Elle va pas bien. T'es chargé de la sécurité des patients, je te rappelle. Hein. Il faudrait que tu. Alors, un coup de scalpel. Attends, sur le côté. Avant de. Parce que là, il y a un petit souci là-haut. Je sais pas ce qu'il faut faire, mais. Bon. Donc, on a vraiment l'impression de pincer pour attraper le truc. Qu'est-ce qui se passe là-haut? Il faut mettre du gel, non? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut peut-être drainer. Ah, je draine tout ce que je peux, mon ami. Stop the procedure, qu'est-ce qui se passe? Là, allez, du coup, enlève-moi ça. Oh, oh là, RE fibrille, les filles. Oui, oui, je masse. Oh, heureusement que t'es bon en massage cardiaque, toi. Ah, c'est parti, vas-y, j'y vais. C'est moi. Ouf. À deux, ça crée quand même une certaine émulation. C'est vrai. Oh, ouais. Ah, la petite Chloé. Oh. Ok, oh. Je vais lui remettre un coup d'adré. J'ai eu peur. Mais qu'est-ce qui se passe là-haut? Attends, moi un je m'occupe en haut à gauche, je vais essayer de trouver ce qui se passe, ce qui va pas. Enlève le truc en bas, tant pis, on suturera le truc après. Ok, allez, c'est parti. Avec ma petite pince. Voilà. Voilà. Est-ce que tu peux... Maintenant elle dit ok, elle dit drainer le sang. Ah, je draine en bas, arrête je draine en bas. N'importe quoi. Non, tu draines pas du tout. Oh elle nous refait un arrêt cardiaque, vite. Chacun son tour. Allez-y, docteur. Parce que c'est docteur ça, Marcus. Les arrêts cardiaques, ils se relayent, les gars, pour, bien sûr, pour faire le truc. C'est trop crevant, sinon. Oui, parce qu'on a tous notre main de prédilection, tu vois, pour faire le massage cardiaque. Je vais lui remettre un petit coup d'adré. Essaye de t'enlever, ouais, alors, de drainer attends, en bas. Je vais drainer, voilà. Là, c'est propre, normalement. Non, c'est pas propre. Un peu de gel. Pourquoi c'est pas propre? Moi, je suis en train de lui recharger... Ah oh là là, j'arrive une pas. Grande quantité de on va y sang, arriver, on va y arriver quand même. De drainer au plus vite. Mais oui, mais c'est ce qu'on essaye de faire, ma chérie. Ah, ça y est, ok. Vas-y, vas-y, en bas, toi. Vas-y. Attends, mais faut suturer, ça y est, je sais. Il faut suturer, là, le truc qu'on a fait, c'est non. Pour ça. Voilà, regarde, ça y est, c'est ah, plus joli. Propre. Très bien. Oh, là, on est vraiment des débutants. Non, non, vas-y, je draine. Vas-y, tu toi, enlève le truc. Voilà, on a enlevé les deux trucs. Oh. Allez, non, sans mal. Hein.
Voilà, là je vais suturer vite fait. Vite fait alors. Aïe, refibrille, allez c'est parti. En tout cas on va lui remplacer, c'est promis. Allez, son petit pacemaker. Allez, je masse. C'est parti. Oh, J2. Voilà. T'as vu ça comme je masse. C'est tout. Oh. Oui mais je fais ce que je peux. Ne mets pas des coups de coude. Ah, il est reparti. Non, il faut drainer là. Ah, quel bonheur d'entendre son petit cœur battre à nouveau. Mais cesse de vivre dans le passé. L'heure est grave, Mathias. J'ai une terrible nouvelle. Tu te souviens, il y a quelques mois, lorsque nous avons opéré cet homme qui souffrait d'une maladie étrange et mystérieuse. Oui. Qu'est-ce qu'il a, monsieur Wilkens? Qu'est-ce qu'il a? Ah oui, parce que les personnages sont nouveaux. Oui, c'est mais vrai. La maladie qui fait peur est mystérieuse. Elle était déjà dans l'épisode précédent, on la connaissait déjà. On la connaît. Cette maladie mystérieuse. Et elle revient. Ouais. Le stigma, ça s'appelle. Ça rappelle de tristes souvenirs. Nouvelle maladie a été détectée et doit être éliminée. Vitesse et précision sont essentielles. C'est du verlan, peut-être. Stigma. C'est possible. Le mastic. Oui, c'est possible. Ah, c'est possible. C'est rigolo, non, ça. Je sais pas. C'est elle, d'ailleurs. Oh, coquine. Alors, comment s'appelle-t-elle? Bah, c'est notre petite. Mais elle ne sait pas quoi penser. Non, c'est monsieur Lloyd, c'est un agent comptable qu'on va opérer. Calme-toi, calme-toi, c'est pas du tout pareil. Finalement. Allez, c'est parti. Allez. Je ne passe les dialogues. Il est pas sympa le docteur Rousseau là. Non, on il sent est que c'est on un sent. Mec. C'est un fourbe. C'est un fourbe, il est canadien, je crois, ou français. Je crois qu'il est français. Ah, attention à ce que tu vas dire. Je n'ai rien contre les Canadiens. Non, et ils n'ont rien contre moi. Puisqu'Isabelle Boulay a appelé son fils Marcus, c'est je vrai. Vous le rappelle. Mais oui, oui, ça fait 20 fois que je le dis, ça me fait toujours autant rire. Ouais, bon. Je pense pas que ce soit en hommage à moi, mais bon. Là, c'est on connaît ça. Le truc, je mets du gel. Un peu de gel. Et toi, tu dépaisses des pouces. Par le bas. Vous avez vu ça? Hop là, claque, un petit coup vers le haut, c'est parti. Tu t'es mis un coup de floute dans l'œil. Ah oui, on n'a pas mis les Wiimotes. Nintendo va nous non, faire pas un passer. Les dragons, regardez. Il faut jouer absolument avec la dragonne. Mais oui. J'ai vu dans des journaux, même dans Libération. Oh là là, il y a des gens, ils ont des. Ils s'abîment les mains en jouant avec la Wiimote. Ils mettent pas la dragonne, ils cassent leur écran. C'est vrai. Arrêter. Ça arrive à un abruti sur 100 000. On n'a pas à parler de ça dans les journaux. Comme si les jeux vidéo étaient dangereux. Une fois de plus, j'en ai marre. Hein? Ça m'est arrivé. Ça t'est arrivé? T'as lâché la dragonne. Voilà l'abruti sur 1 million, c'est lui. Il faut que ce soit mon mais ami. Non, mais tu t'es pas fait mal, tu t'es rien cassé. Non, ça va. Bon, enfin voilà, donc ça c'est vraiment des trucs pour faire sensation. On s'en fout, c'est pas une dragonne qui part de temps en temps, qui va faire du mal à qui que ce soit. J'en ai marre qu'on diabolise les jeux vidéo, dit-il en recousant. Ah, oh, qu'est-ce que c'est que ça? C'est lui. Ah, bah ça c'est pour une nouvelle maladie, c'est une nouvelle maladie. Regarde, bon sang, regardez ça. C'est quoi, une espèce de poulpe avec un avion en papier sur la tête? C'est très bizarre. C'est peut-être son anniversaire, il a un petit chapeau d'anniversaire. Oh, okay, mimi. Bon, alors comment on s'en débarrasse de ce machin? Le laser? Ah, bah oui, là. Oh la vache, il a lacéré, alors attends, moi je recoue. Toi t'as qu'à essayer de le shooter au laser. Regarde. Et moi je recoue les dégâts qu'il fait pendant ce temps-là. Ou que tu fais, parce que, à mon avis, il y a peut-être du dommage collatéral dans cette histoire. Ouais. Alors est-ce que moi aussi j'ai droit au. Oh là là, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a fait? Ah oui, c'est recoue, mon laser se décharge, figure-toi. Ah mince. Bon, moi je recoue, je te laisse faire le laser, je vais essayer de laser un peu avec toi peut-être. Ah merde, il est. Ah, on l'a eu, on l'a eu. Mais c'est bon. En fait, non. Mais en fait, non, il va revenir. Attends, j'aimerais bien mettre. Ah, j'ai pas le temps. J'ai mis un peu de gel là parce que tu avais fait un trou dans le monsieur. Un trou dans monsieur Wilken. Tu pourrais t'excuser au moins. Je m'excuse. Il y en a deux, il faut lui enlever ce truc là. Eh ben, on a un laser chacun. Alors, c'est on y parti. Va, on est moi, parti. Je prends ce laser là. Celui-là, là. Oh putain. Il faut pas dire ça, mais. Oui, il faut pas dire des gros mots, mais en même temps, en même ça, temps c'est là... les jeux vidéo. C'est le seul défaut des jeux vidéo, c'est que ça rend cool, mais ça rend un petit peu grossier aussi, de temps en temps. Le mien est foutu, le laser. Je vais remettre un peu de. Oui, de Vital. Ah oui, occupe-t'en s'il te plaît. S'il te plaît. Je recoue moi pendant ce temps-là. Et puis j'essaie de recoudre avec le drain. S'il te plaît. C'est pas mais oui. Alors hop. Voilà, un petit coup de laser. On est reparti. Ah non. Oh la vache, ils sont deux là. Ok bon. Oh, on a réussi à les. Elle est bloquée, t'as vu. Mais des faut fois, croiser les effluves, c'est Ghostbusters en fait. Des fois on se mélange, on sait plus le point de qui. Ah oui, ça c'est le problème. Dans la confusion, souvent, on ne sait plus qui fait quoi. Je vais suturer pendant que tu continues à t'occuper de l'avion en papier, du alors, poulpe avec son petit chapeau sur la tête. Il est à noter, t'as vu, c'est une belle phrase. Hein, très jolie. Qui commence. On attend la suite avec impatience. Que dans cet épisode-là, il y a une partie online. Oui, c'est vrai, oui, on en parle. Et oui, parlé, mais oui, malheureusement. Honte à moi. Vas-y, malheureusement. Non, je t'écoute. Bah malheureusement, en fait, tu peux uniquement comparer tes scores de. Oui, c'est vrai. Mais c'est bien de se dire, je suis le 12e chirurgien mondial. Ce qui n'est voilà. pas mon cas, je suis 120 millième. Mais... Oh là mais là, ça voilà. a fusionné.
pendant qu'on parle. Oh là là, mais quelle saleté de maladie, j'aimerais pas l'avoir. Je ne souhaite à personne d'attraper ce stigma là. Le laser devrait être efficace encore, Berlo. Ah oui. Ah oui, puis il est plus gros. On dirait une barquette là, une petite barquette trois chatons à la framboise. Oui, tu sais, quand on était petit, on mangeait ça au goûter. Mais moi, je mange encore. Ça existe encore. On lui a bien niqué son estomac, J'en ai peur. À Lloyd. Oulala. Oh la vache. Oh bah alors là, attends, je m'occupe des lacérations. Moi, je vais lui remettre un petit peu de vitals. Et remets-lui un petit coup de laser. Ah oui, oui, des vitals, c'est bien. Ah, je peux pas. Oui, bah je sais. Ouais, là, tu parles, c'est normal, il saigne de partout. Puis alors, je lui fais pas des belles cicatrices. Hein. Oh, puis il est à peine nettoyé, ça y est, il me remet ça. Je l'ai pas lâché, là. Voilà. Non, mais tout seul, c'est quand même l'enfer, hein. C'est difficile tout seul, ouais, c'est vrai. Donc vraiment, jouez à plusieurs. Prenez une petite infirmière pour vous aider. Mettre un peu de gel. Moi aussi, choisi Mathias. voilà, et donc vraiment, c'est bien à deux. C'est super à deux. C'est bien tout seul aussi, mais c'est plus dur tout seul. Mais puis en plus, on peut s'engueuler et se dire « Mais qu'est-ce que voilà. t'as foutu ?»« Je t'avais dit de t'occuper des vrais. » Voilà. Puis après, on peut faire un procès au médecin qui a été... Bien sûr, et gagner de l'argent. Voilà, et on joue à Phoenix Wright et on fait le procès de ce qu'on a raté dans Trauma Center. C'est bien fait, tous ces jeux vidéo maintenant. Et est-ce que tu pourrais nous faire une démonstration de... pour ralentir le temps? Non, je ne suis pas encore assez en forme, j'ai pas encore... Si, regarde, main curatrice. Je tu sais que... le faire, toi? Ouais, il faut faire les deux gâchettes. Je sais pas si on peut, à ce moment-là de l'aventure, le faire. Et... Ah, non, non. Non, c'est trop tôt. T'as pas encore appris, on est dans un épisode où on n'a pas encore appris. Si, regarde, t'es prêt? Ah, c'est mieux, le fait. Voilà, j'ai bien fait de te faire venir, ça prend des choses. 1, 2, 3. Bon, allez, moi j'y mouille un coup de laser et puis c'est marre, voilà. J'arrive pas bien à le faire, la main curatrice. Je suis en train. Ah, la main au cul, tu sais la faire, alors que la main curatrice, tu sais pas la faire, hein. Bon, on va arrêter sur cette bonne blague, je crois que ça vaut mieux. Regardez, ça va rien. Ah, ça y est, on l'a eu. Ouh. Bon, allez, on va nettoyer tout ça parce que maintenant... Docteur Marcus. Oui, alors écoute, je gribouille n'importe où et je pense que ça va le faire quand même. Et occupe-toi, c'est ça, parce qu'il va pas bien, là. Ouais. Fâche. 6. Réussis, tu peux... Ça y est. Un petit peu de gel là, sur le côté. Oh, bah quand même, on aura réussi. Demain, j'aurais bien aimé te faire une main curatrice. Mais je ne veux pas que tu fasses une main curatrice. Ah, on l'a sauvé. Eh ben, c'est une belle saleté, cette maladie du stigma, quand même. Hein. Ouais, c'est... Allez, on referme le gars. Et on n'en parle plus. Un petit coup de gel. Ouais, voilà. C'était un organisme vraiment terrifiant. Je dois commencer tout de suite l'analyse des données. Oui, parce que il ne s'agirait pas qu'on se trimballe avec ce truc-là trop longtemps. Non. Ah, ouais, le travail. Eh ben... Encore une fois, heureusement qu'on était là, docteur Mathias. Félicitations, docteur Marcus. Par contre, secouer les mains avec la dragonne, c'est pas terrible. Ah, y'a Ben voilà, on me fait mal. Je vais opérer ça tout de suite, alors. C'est parti. Mathias, il va falloir être courageux. Que veux-tu dire, Marcus? Je reviens du laboratoire. Ce virus étrange, il est terriblement contagieux. Tu as été infecté, Mathias. Non, c'est impossible. Si, les examens sont formels. Il faut t'opérer le plus vite possible. Il n'en est pas question, tu m'entends? Laisse-moi faire. Oh mon Dieu. Le docteur Marcus parviendra-t-il à sauver son ami? Le pacemaker de la petite Chloé fera-t-il sonner le portique de l'aéroport, déclenchant ainsi une alerte terroriste à la suite de laquelle une terrible bavure entraînera l'emprisonnement de la fillette dans les geôles de Guantanamo? Mathias pourra-t-il à nouveau déjeuner dans un restaurant coréen? Vous le saurez en regardant le prochain épisode de Trauma Center New Blood.